je le connais. Ma petite sœur Zaza, elle a le même. C'est Cucu. Oui, toi, t'as raison. Ah, celui-là. Ouais, je le connais aussi. Bof, y a pas assez de dessin dedans. Trop nul. Je le connais aussi, celui-là. Et alors, il est bien? Ouais. Celui-là, il est génial. Jusqu'à la dernière page, tu peux même pas deviner que l'assassin, c'est le fleur. Nous, on a une corde à sauter. Attends, viens voir. Madame, Toto, il m'a embrassé sur la bouche. Et où est-il maintenant, Toto? Bah, il doit toujours être dans la cour. Bien, mon garçon. Tu prends 3 comprimés, puis tu sautes une journée. Puis, tu reprends 3 comprimés, et ça ira mieux. Oui, allô? Allô, bonjour, docteur. Ton reprend son repas exactement comme vous l'avez dit, mais il est encore plus fatigué. Franchement, il fait tout ce qu'il peut, mais il n'arrive pas à sauter toute une journée. Toto, qu'est-ce qui se passe? Toto, lundi, le jour de ton atterrissage de maths, tu avais mal à la tête. Mercredi, tu avais une récitation à apprendre, tu avais mal à la tête. Et hier, juste avant ta leçon, comme par hasard, tu avais mal à la tête. Aujourd'hui, c'est le marche. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Il a essayé de me refaire le coup du mal de tête. Toto, ne regarde pas dans ton cartable. Toto, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas regarder dans ton cartable pendant les contrôles. Mais tu crois que je ne te vois pas chercher les réponses dans ton cartable? Mais c'est pas mon cartable, c'est celui de Mimi.